l'Ancien Testament. La tour de Babel. Des milliers d'années se sont écoulées depuis l'époque d'Adam et Ève. Le déluge est loin maintenant. Noé est mort depuis longtemps et il a rejoint le Seigneur. Ses trois fils, Sem, Cham et Japhet, ont eu une nombreuse descendance qui peuple maintenant la terre. Certains mènent une vie de nomade. Ils vivent en tribu conduite par un chef, le patriarche d'une nombreuse famille. D'autres ont fondé des cités dirigées par un satrape ou un roi. D'autres peuples encore, alors qu'ils allaient vers l'est, où s'étendent des terres fertiles, se sont établis dans la région de Shinéar. Ils y ont construit une grande cité et une tour qui atteint presque le ciel. Ils n'ont pas utilisé la pierre et le mortier pour la construire. Ils avaient découvert qu'en ajoutant de l'eau à l'argile, abondante dans le sol de la région, on pouvait fabriquer des briques. Il suffisait de les faire sécher au soleil ou dans des fours, et elles devenaient alors assez dures pour qu'on puisse les utiliser dans la construction des maisons. Tous les habitants de la cité étaient fiers de leur découverte, et surtout leur roi, qui se sentait invincible et tout-puissant. Ce peuple de bâtisseurs avait aussi découvert qu'on pouvait fixer les briques ensemble, non pas avec de la boue comme on le faisait d'habitude, mais avec du bitume, un liquide noir et épais qui suintait du sol. Le bitume avait aussi l'étrange propriété de brûler bien plus longtemps que le bois. Va finir par se renverser. Pourquoi est-ce que tu roules aussi vite? Si je traîne, je serai fouetté. Je dois faire une autre livraison. Le roi exige que la tour soit finie dans 4 mois.
Je veux au moins 100 charrettes de briques supplémentaires. J'en veux 200 par semaine. Tu m'entends? 1000 par mois. Mais Seigneur, je ne peux pas fabriquer autant de briques en si peu de temps. As-tu idée de la quantité d'esclaves qui travaillent sur ce chantier du matin au soir? J'en ai plus de 5000 et il me faut deux fois plus de briques que tu ne m'en fournis. Deux fois plus! Je n'aurai jamais la capacité de fabriquer 1000 charrettes de briques par mois. Grand architecte, ce n'est pas une question d'eau ou d'argile, mais du nombre d'hommes dont je dispose. Où voulez-vous que j'en trouve d'autres? Ils ont tous été requis. Je vous assure. Il y a quelque chose que tu ne sembles pas comprendre. Le roi exige que la tour atteigne le ciel avant la saison froide, et ton rôle est de nous fournir les briques qu'on te demande. Si tu ne t'y engages pas immédiatement, je te préviens qu'avant le crépuscule, tu auras goûté au fouet des soldats de Sa Majesté. Oh, grand architecte, pourquoi me parler du fouet? C'est un instrument beaucoup trop pénible et dont les résultats sont aléatoires. Bon, si je comprends bien, tu finis par être raisonnable. Vos désirs sont toujours des ordres, Seigneur Ophir. Allez, file, vieillard, tu dois travailler plus vite que ça. Ya! Ya! Oh! Seigneur, cette pierre rouge est difficile à sculpter. Cesse de te plaindre, vieil homme. Tais-toi et travaille. Je veux que cette statue soit terminée le plus rapidement possible. Dis-moi, est-ce que tu sais où est ton grand-père? Il est de l'autre côté de la colline. Là-bas! S'il te plaît, va le chercher. Préviens-le que le dîner est prêt. Plus tard, en ce moment, il parle avec Dieu. Tu as raison, attendons. Ashur! Ashur! Seigneur, tu connais mon nom? Mais oui, je le connais. Quand tu pries, je t'écoute, Ashur. Mais pourquoi me fais-tu entendre ta voix aujourd'hui? C'est la première fois. Fidèle Ashur, va à la ville, au-delà du désert, et proclame la toute-puissance de Dieu. Les habitants de cette ville m'ont renié. Je veux que tu ailles voir leur roi et que tu lui parles en mon nom. Va, Ashur, avant que je les punisse. Parle-leur en mon nom. Mais, Seigneur, tu veux que je me rende dans une ville au-delà du désert? Tu as peut-être oublié que je suis aveugle? Je ne l'ai pas oublié, Ashur. Pars demain, à l'aube. Va dans cette ville et fais ce que je t'ai dit. Il en sera ainsi, Seigneur. Et tu guideras mes pas. Je vais t'aider, grand-père. Voici la ville, grand-père. On est arrivé. Béni soit le Seigneur. Votre Majesté. Parle! Votre Majesté, la tour qui symbolisera votre règne s'élèvera jusqu'au ciel, et nous avons déjà atteint un niveau très avancé. Une fois que la tour sera terminée, aucun roi sur Terre ne pourra plus prétendre être aussi puissant que moi. Le monde entier a appris l'existence de la tour de votre majesté. Les rois des cités voisines ont envoyé des espions qui leur font des rapports.
Tu as entendu, Ophir? Voilà pourquoi je t'ai nommé architecte. Je savais exactement ce que je faisais. Personne n'égalera ma splendeur. Et ensuite, nous aurons notre propre dieu. Car aucune cité avant nous n'a eu son propre dieu pour la servir. Sa statue sera en porphyre rouge, selon vos ordres. Elle sera d'une splendeur sans égale et placée tout en haut de la tour. Tu as dit qu'elle sera en porphyre rouge? Oui, votre majesté, j'ai pensé que cette couleur serait très impressionnante. Tu as eu là une excellente idée, Ophir. Je te félicite, ce sera magnifique. Allez, Abner, tirez-moi sur ces cordes. Vous voyez ces nuages là-haut? Ils monteront jusque-là. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que tu regardes, la tour? Comment pourrais-je ne pas la regarder? Elle est si laide. Comme ça, de là-haut, le roi pourra nous espionner. Il verra directement ce qui se passe dans la ville. Et à la moindre alerte, il pourra envoyer ses soldats pour nous terroriser. Tiens, voilà ton lait, tu me devras un sou. Je te paierai demain. Comme tu veux, je te fais confiance. Certains ici m'ont affirmé que cette tour sera la tour la plus haute qu'on ait jamais vue. Et on dit qu'on viendra la voir du monde entier. Oh, personne ne peut dire si c'est la plus haute tour du monde ou si on viendra la voir de partout. Mais ce qui est certain, c'est que cette tour est horriblement laide. Chut, voyons, sois prudente. Le roi n'aime guère que l'on parle mal de sa tour. Oh! Puis-je entrer, Seigneur? Qui est là? Que fais-tu ici et qui es-tu? Cela n'a pas d'importance, Seigneur, mais je m'appelle Ashur. Qu'est-ce que tu veux? Peux-tu me dire pourquoi tu veux construire une Comment tour si haute? Je construis cette tour parce que mon roi me l'a ordonné. Et puis en quoi est-ce que ça te regarde, vieux mendiant? Pardonne-moi, mais n'est-ce pas toi qui as suggéré cette construction? Bien sûr que c'est moi. N'est-ce pas le meilleur moyen de célébrer la grandeur et la gloire de mon roi? Et c'est toi aussi qui lui as conseillé de renier le Seigneur Tout-Puissant et d'ériger une idole en pierre? Pour montrer l'étendue de sa puissance, à ses sujets comme à ses ennemis, un roi se doit d'avoir un dieu rien que pour lui. Et tu façonnes un dieu de pierre qui, du haut de sa tour, proclamera tout ce que voudra le roi? Oui, oui, oui. Mais de quoi te mêles-tu? Et en quoi est-ce que cela te regarde? Que veux-tu? Qui t'a envoyé me faire la leçon? Qui es-tu? Je t'ai demandé de me dire qui tu es. Je t'ai demandé la raison de ta visite. Réponds-moi! Que veux-tu? Que recherches-tu ici? Je suis venu te prévenir que tu ne finiras jamais la construction de la tour parce que telle n'est pas la volonté du Seigneur. Tu n'es qu'un insensé. Je te ferai fouetter! Garde! À moi, garde! Je veux qu'on se saisisse de cet homme! Garde! Saisissez-le! Qui donc, maître? Arrêtez ce vieil aveugle et faites-lui donner le fouet! Oh. Mais il n'y a personne dans votre tente, maître! Mais c'est impossible, voyons! Il y avait un vieillard, un jeune garçon et un chien! Où sont-ils? Ophir, j'ai dépensé une fortune pour faire construire cette immense tour. Et maintenant, tout le monde la contemple sans ma permission. Et personne ne me paie la moindre pièce pour la regarder. Tu mérites le fouet! Je n'ai pas l'intention de partager ma merveilleuse tour avec des gens qui en profitent sans vergogne, qui n'ont rien fait pour la mériter et dont mes espions disent qu'ils s'en moquent dans mon dos! Votre Majesté, je suis certain que quand la tour sera terminée, votre peuple fidèle saura reconnaître ce qu'il doit à son souverain et il se prosternera à vos pieds. Alors débrouillez-vous pour trouver 1000 esclaves et accélérer la construction. Votre Majesté a raison. Si nous ne pouvons terminer avant la saison froide, nous devrons attendre un an de plus avant de voir la tour terminée. La seule solution, c'est de capturer au moins 1 000 000 d'hommes et de les faire travailler sur le chantier. Vous avez entendu, Ophir? Qu'est-ce que vous attendez? Votre devoir est d'aller capturer des esclaves. Personne n'a jamais eu à se plaindre de ma générosité. Je saurai vous récompenser cette fois-ci aussi. Allez! Posez immédiatement vos armes si vous ne voulez pas mourir. Nous sommes tous prêts à mourir, mais aucun d'entre vous ne s'en tirera. Hein?
Je ne te conseille pas de me menacer, pauvre ver de terre, d'autant plus que nous ne vous apportons pas la guerre. Nous sommes ici au nom du roi, et il nous a chargé de vous transmettre une proposition. Et que crois-tu que nous devrions faire? Tu t'imagines peut-être que nous allons nous laisser égorger sans nous battre, hein? Tes amis semblent moins courageux. Très bien, nous ne résistons pas, nous sommes prêts à t'écouter. Alors que veux-tu? Qu'attends-tu de nous? Il faut que toi et tes hommes vous veniez à la ville pour travailler sur le chantier de la tour géante. Si vous acceptez, le roi vous en sera reconnaissant et il saura se montrer généreux. Et que se passera-t-il si nous refusons de venir? Dans ce cas-là, je ne réponds plus de rien. Yeah! Viendront avec moi, sinon je vous fais tous exécuter. C'est compris? Tous, même les enfants. Pourquoi enlèves-tu les hommes de la tribu? Où les emmènes-tu? Ils iront tous travailler sur le chantier de la grande tour du roi. Ici, tout le monde te verra. D'abord, je vais faire une prière au Seigneur Tout-Puissant. Oh, Seigneur! Qui est cet homme? C'est celui qui vient du désert. Il est aveugle? Que veut-il? Il veut prendre la parole. Soyons reconnaissants envers le Seigneur, notre Créateur, qui nous a tirés du néant et qui nous a donné la vie. Il est le seul à posséder la Toute-Puissance. Il récompense le bien et punit le mal. Mais de quel dieu parles-tu donc? Je parle du seul dieu invisible et tout-puissant, notre créateur. Nous avons un nouveau dieu maintenant. Le dieu qu'on peut voir au sommet de la tour géante. Notre roi a ordonné à Ophir, le grand architecte, d'en faire une sculpture en pierre rouge, afin que tous les habitants puissent connaître et adorer le nouveau dieu de la cité. Celui qui dit avoir vu Dieu est un menteur, parce qu'on ne peut pas voir Dieu avec les yeux des hommes, et de plus, personne ne peut se fabriquer un Dieu à sa convenance. Pas même le roi, notre prophète? Non! Pas même votre roi! Oh, c'est ça! De quoi, cet homme? En vérité, ils ont peur du roi. Tu as raison, grand-père, il vaut mieux partir. Grand roi, écoute-moi, ô grand roi! Qu'est-ce que tu veux, noble vieillard? Je m'adresse à toi au nom de Dieu, grand roi. Ah oui, vraiment, comment oses-tu dire une chose pareille? Il t'a juré de proclamer sa toute-puissance. Comment? Et où étais-tu quand Dieu s'est adressé à toi? J'étais dans le désert, plongé dans mes prières, quand il m'a parlé de toi, ô grand roi. Il m'a demandé de venir te dire que tu devais le reconnaître comme le Seigneur Tout-Puissant et que tu devais abandonner la construction de cette tour. Dieu t'a demandé ça? Oui, grand roi, il m'a envoyé à ta rencontre pour que je te le dise. Partons, j'ai assez entendu de bêtises comme ça. Je t'en supplie, ô grand roi, quelle réponse puis-je donner au Seigneur, notre Dieu? Dis-lui que j'ai un autre Dieu, en pierre rouge. Ô Seigneur, essaie de lui pardonner. Ashur! Ashur, ce n'est pas de ta faute si les hommes ont le cœur dur. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne dois pas souffrir parce que tu t'imagines que c'est de ta faute. Est-ce toi, Seigneur, qui me parle? Tu as vu, je n'ai rien pu faire, ils sont plus aveugles que moi. Ne t'inquiète pas, Ashur. Je confondrai leur langage. Ils ne se comprendront plus les uns les autres. Et ainsi, ils devront cesser la construction de cette ville qu'on appellera Babel, qui veut dire la confusion des langues.
Regarde ma nouvelle robe, elle te plaît? Je l'ai fait faire spécialement pour la porter le jour de l'inauguration de la tour. Tu veux que je te dise que tu as une jolie robe? Évidemment qu'elle est jolie, elle me coûte assez cher. Mais quel est ce langage que tu parles? Je ne comprends rien de ce que tu me dis. Comment? Qu'est-ce que tu as dit? Je ne comprends pas. C'est étrange, je ne comprends pas un traître mot de ce que tu me racontes. Je ne sais pas ce que tu dis, voyons, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia? Délicieux ce poulet. Donnez quelques pièces au cuisinier de ma part. Qu'est-ce qu'il a demandé? Et toi, qu'est-ce que tu as dit? Nous arrivons au dernier niveau. Il faut que ce soit le plus beau de tous. C'est ici qu'on adorera la statue du nouveau dieu. Le roi sera satisfait. Fermez la tente, vite! Quand la tour sera terminée, une grande fête sera organisée et la ville tout entière devra se prosterner devant la puissance de son roi. Mais d'où peuvent venir toutes ces terribles bourrasques? Le ciel était dégagé. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends pas. Comment? Éteignez ces flammes. Vite, allez vous abriter! Vite, passez, passez! Vite! Descendez! Descendez tous! Je ne comprends rien à ce que tu me dis! C'est à moi que tu parles! Qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends rien! Écoute-moi, si tu veux, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Garde! Prépare-moi un cheval! Esmataku Berundi Ake! Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne comprends pas ce que je dis? Trokis Mafazog, Kala Okupa! Qu'en penses-tu, grand-père? Tu crois que Dieu sera content de nous? Dieu est toujours content de nous quand nous nous soumettons à sa volonté.